Salut, salut et bienvenue sur le podcast sur Smith, Wigglesworth par Victoria et Huck. Eh bien, cette année, j'ai décidé qu'avec l'aide du Seigneur, que j'allais revisiter le dévotionnel, c'est-à-dire le lecteur biblique, si on peut dire ainsi, de Smith Wigglesworth, un apôtre de la foi, un serviteur de Dieu, qui a fait des miracles énormes pour le Seigneur tout au long de son ministère. Donc, en fait, il a ce livre appelé un dévotionnel, ou devotional en anglais, en fait, qui a, disons, des versets bibliques pour chaque jour avec un message d'encouragement, quoi. Et donc, ce que j'ai pensé à faire avec l'aide de Dieu, ce serait de parcourir tous ces versets bibliques et ces messages d'encouragement tous les jours. Et donc, on va commencer avec le 1er janvier, en fait. Et donc, avant de commencer, on va faire une prière. Et bien, comme généralement lors de mes études bibliques, et bien, donc, on va commencer par là. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions parce que tu nous permets de venir devant toi, Seigneur, pour te prier, pour grandir dans la foi. Et nous prions, Seigneur, que tu nous guides afin que nous grandissions effectivement dans la foi en lisant ta parole et que nous vivions une vie qui glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous t'avons prié. Amen. Donc, je fais ce podcast en français et aussi en anglais, mais la version en français, ce n'est pas exactement la traduction de tout ce que j'ai dit en anglais. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Du coup, si vous parlez aussi anglais, vous pouvez aussi écouter le podcast en anglais et vice-versa. Donc, le titre du podcast d'aujourd'hui, c'est Le plan de Dieu est le meilleur. Donc, le plan de Dieu est le meilleur. Eh bien, on va donc discuter sur ce thème aujourd'hui, sur le plan de Dieu. Et c'est bien de commencer l'année en fait en se demandant quel est le plan de Dieu pour ma vie, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Et enfin, c'est important, c'est très important. Donc, on va aller en fait dans le livre d'Ésaïe. On commence par le livre d'Ésaïe aujourd'hui. Et je vous invite en fait à ouvrir vos Bibles pour que nous fassions ça ensemble. Ésaïe chapitre 55, verset 9. Alors, Ésaïe chapitre 55, verset 9 dit: Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est l'Éternel qui parle. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Eh bien, pour continuer, on va aller dans le livre de Genèse, et puis on va étudier un tout petit peu l'histoire de Jacob. Mais c'est pas très long. On part donc dans Genèse chapitre 28. Je vous invite aussi à tourner les pages de vos Bibles pour arriver à cet endroit. Alors, Genèse chapitre 28, du verset 10 au verset 22. Verset 10 au verset 22, je commence. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un milieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'occident et à l'orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'aie exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit: Que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz,
Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour mon monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Eh bien là, comme on a dit, le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est « Le plan de Dieu est le meilleur ». Donc le plan de Dieu, il est bien meilleur que n'importe quel plan qu'on peut avoir pour nous-mêmes. Eh bien, on voit à travers l'histoire de Jacob, si vous partez un peu lire dans la Genèse, vous verrez que Jacob, eh bien, tellement il était à la recherche, lui et sa mère étaient à la recherche de bénédiction, qu'ils ont été prêts à tromper, mentir, voler pour arracher les bénédictions d'Ésaü, le frère de Jacob. Et donc là, on voit Jacob, il avait son plan pour sa vie, mais le plan de Dieu était bien meilleur parce qu'on voit ici que Dieu lui parle et Dieu lui révèle son plan pour sa vie. Alors, comme vous allez voir si vous ouvrez le dévotionnel de Smith Wigglesworth, ce qu'il a marqué là, que Dieu n'a jamais eu pour intention que nous, les chrétiens, nous soyons des personnes ordinaires. Effectivement, Dieu a des plans merveilleux pour nous. Et il y a tellement de belles choses, en fait, que Dieu a préparées en avance, des bonnes œuvres qu'il a préparées en avance pour que nous les fassions. Mais nous ne pouvons pas les accomplir si nous ne nous soumettons pas à sa volonté. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est une invitation à nous soumettre à la volonté de Dieu, à chercher, à lire sa parole pour savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et vraiment à connaître sa volonté à travers sa parole et la suivre, obéir, vivre en fait selon le standard de Dieu pour qu'effectivement le plan de Dieu se réalise dans nos vies. Parce que peu importe ce qu'on peut planifier, le plan de Dieu, il sera toujours bien meilleur, bien plus extraordinaire, bien plus beau, bien plus glorieux que le plan que nous on a. Alors autant se soumettre en fait et lui obéir. Donc merci d'avoir écouté et on va prier pour clôturer la séance. Et bon, alors prions. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions parce que ton plan pour nos vies est bien meilleur que les plans que nous-mêmes nous traçons. Nous nous soumettons à toi, nous prions que tu nous enseignes vraiment à nous soumettre au quotidien, à lire ta parole, à t'écouter, à nous abandonner à toi et à choisir de t'obéir en toutes circonstances. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous t'avons prié. Amen. Alors, c'était le podcast dévotionnel Smith Wigglesworth par Victoria York. Eh bien, merci d'avoir écouté et je compte sur vous pour suivre aussi demain et ainsi de suite tout au long de l'année parce que par la grâce de Dieu, eh bien, on va y arriver. Toute une année de podcast. Eh bien, je compte sur vous. Que Dieu vous bénisse et bye bye.